50 ans après 68, et j'ai voulu effectivement commémorer à ma façon l'anniversaire de 68. Je vous présente tout d'abord l'itinéraire que j'ai, parce que c'est ce qui m'a amené à vous présenter, à vous proposer cette conférence. Donc, à partir de 1956, après un petit peu déménagement dans le sud-ouest, je me retrouve à Miramont de Guyenne, c'est dans la partie nord-ouest du département du Lot-et-Garonne, et je suis rentré au cours complémentaire dans cette année de 1956, après avoir passé, comme on le faisait à l'époque, le concours d'entrée en 6e. Et quand j'ai passé le concours d'entrée en 6e, à l'école, j'étais dans les Landes à Belin, et on a été deux à avoir le concours, le fils de l'instit et ma pomme. Donc, cours complémentaire. Et vous voyez que sur la photo, la petite flèche jaune, eh bien, c'est le cours complémentaire. C'est un ancien hangar à tabac, un séchoir à tabac, qui a été vaguement recloisonné, passé à la chaux en bas, et on fait nos études jusqu'à la fin de la troisième dans ce séchoir à tabac, avec évidemment comme obligation le matin de remonter les seaux de charbon depuis la cave, d'allumer le feu, et puis à tour de rôle, deux élèves par classe allument le chauffage dans ces bâtiments. Donc c'est vraiment très rustique, très rudimentaire ce que l'on a. Mais l'avantage, c'est qu'on a un corps enseignant extrêmement jeune, un corps enseignant extrêmement ouvert, et j'en garde là, moi, des souvenirs absolument émerveillés des études que j'ai pu faire là-dedans. Et c'est la période qui est la charnière entre la fin de la 4e République, la naissance de la 5e République. On est en plein dans la guerre d'Algérie, dans les affrontements, c'est quelque chose d'assez violent. À la fin du cours complémentaire, le destin était très simple. D'abord, à 14 ans, la plupart de mes copains étaient partis travailler à l'usine. L'obligation scolaire de 16 ans n'interviendra que dans le milieu des années 60. La décision est prise en 59, mais avec un effet retard. Donc, à 14 ans, la plupart des copains sont à l'usine. Et à la fin de la troisième, dans le cours complémentaire, le destin qu'on vous propose, c'est soit d'aller travailler, mais avec un BEPC, vous devenez un petit cadre. Un de mes copains est devenu comptable dans la grosse entreprise de vente de machines agricoles à Miramont, ou bien on devenait fonctionnaire. Là, il y avait le concours des PTT ou le concours de l'école normale. Avantage de ces deux choses, c'est que les études étaient payées. Donc, je rentre à l'école normale primaire à Mérignac, dans la Gironde, une banlieue de Bordeaux, et j'y passe donc la fin de la guerre d'Algérie. Et avec la contrainte à cette époque, c'est que la guerre d'Algérie n'étant pas terminée, on peut être mobilisable. Donc on est obligé de faire la préparation militaire élémentaire pour obtenir le sursis. Et ça va être une course un peu entre à chaque fois l'obligation de réussir impérativement les examens, sinon le sursis tombe et on se retrouve en Algérie, ce que je ne tenais pas à faire du tout. Ensuite, à partir de la fin de l'école normale primaire, c'était une époque où les parents d'élèves ne la ramenaient pas. Le conseil de classe disait « toi, 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 vous faites ça, toi, toi, vous faites ça ». Donc on a été sept à être expédiés dans une classe prépa pour l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui était à l'époque une école normale destinée principalement à fournir des professeurs d'école normale. Et d'autre part, comme j'avais de la famille à Paris, j'ai choisi de partir dans la prépa parisienne. Je me suis retrouvé donc à Henri IV pendant deux ans. Au bout des deux ans, où l'on est dans une période de grande secousse politique, je ferai mes premières manifestations dans cette période. C'est les épisodes de la décolonisation, la crise de l'OAS en France, la crise des fusées à Cuba, l'assassinat de Kennedy, bref, des tas de motifs à l'international qui polarisent les milieux étudiants et qui nous agitent particulièrement à l'Institut de géographie et en prépa Henri IV. Je réussis un concours de l'ENS et me voilà donc pour 4 ans à Saint-Cloud à faire des études de géographie à Paris. J'ai la chance, en quelque sorte, qu'en 65,
La fac de Nanterre n'est pas encore ouverte. C'est un chantier, elle n'ouvrira partiellement qu'en 65 et surtout à partir de 66. Donc on a la possibilité, on est inscrit d'office sur la Sorbonne, puisque l'Institut de géographie dépend de la Sorbonne, tandis qu'à partir de 65, donc on ici peut se verra proposer d'aller à Nanterre, et donc certains vont trouver des ruses pour rester sur Paris, c'est-à-dire, bah oui, mais je veux m'inscrire aussi à Sciences Po, je veux faire l'école des Lanzo, je ne peux pas partir à Nanterre, donc des petites ruses comme ça. En arrivant à Paris, à cet institut de géographie, je me retrouve la deuxième année élu au bureau de l'UNEF de géographie. Et surtout dans cet épisode, ce qui est important, c'est que, vous voyez, l'année 66-67, je vais faire mon diplôme d'études supérieures à Miremont-Guyenne, avec deux composantes, une de géomorphologie sur la vallée du Rhône et surtout une sur l'étude de la population ouvrière de Miremont-Guyenne. Donc, juste avant les événements de 68, j'ai une vue particulièrement affinée de la situation des ouvriers dans la région de Miremont-Guyenne. Les patrons, sur ma bonne mine, m'ont refilé, c'est impensable aujourd'hui, toutes les cartes de sécurité sociale des salariés pour que je puisse identifier où ils étaient nés, comment ils étaient arrivés là, enfin, bref, des bulletins de salaire, des choses que j'ai pu exploiter très en profondeur sur cette période. Et puis, au point de vue politique, ben, c'est évidemment la guerre du Vietnam qui commence en 64, qui va durer jusqu'en 68, puisqu'au moment de mai 68, à Paris, s'ouvrent les négociations entre le Vietnam du Nord et les Américains des États-Unis. Donc, deuxième élément important en ce qui concerne la vie en France, la vie politique en France, c'est la mise en ballottage de Gaulle, et qui va être une secousse considérable par rapport à l'évolution politique du reste du pays. Voici l'Institut de géographie à Paris dans le 5e. Un très beau bâtiment qui date de 1926, qui a été construit par une donation d'une riche dame, mais qui est conçu au standard et au format de la population étudiante à cette époque-là. Pensez qu'en France, au total, dans les années 30, il y a à peu près 35 000 étudiants. En gros, hein, donc dans l'Institut de Géo, il a été calibré pour 180 personnes. Et au moment où j'y suis, j'y fais mes études, on est 1200. Donc on est dans des situations absolument invraisemblables, un très beau bâtiment, et qui a l'avantage, par rapport à 68, d'être au cœur du quartier latin. Nous sommes à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue des Lussacs, là où il va y avoir les barricades, les voitures brûlées, etc. Nous sommes dans le haut de la rue Saint-Jacques, dans le milieu de la rue Saint-Jacques, à côté d'un petit rétrécissement qui nous protège des montées de flics de la rue Soufflot, puisque c'est étroit, ils ne peuvent pas manœuvrer très facilement. On aura même des gens qui vont nous dire « Ah ouais, mais pour les empêcher de venir jusque-là, on va stocker des bidons d'essence, et puis quand on les verra arriver, on allumera les bidons d'essence et on les fera tomber dans la rue Saint-Jacques en direction des barricades, je ne dis pas des révolutionnaires qu'il y a eu et les hypothèses qu'on a eues. Remarquez quand même à l'étage, vous voyez tout à fait en haut, il y a un petit balcon et puis une petite fenêtre. Alors là-dessus, c'est pareil, pour se prémunir contre les attaques de la droite, les attaques des flics, etc., on avait monté des canettes. Alors, peut-être y en avait-il qui devaient servir de cocktail Molotov, mais des bouteilles, des canettes et des trucs comme ça, et on y avait planté un drapeau rouge. Et le gag, c'est que ce drapeau rouge restera en place jusqu'au début septembre. Personne ne l'avait remarqué quand le mouvement a commencé à tomber. On est au cœur stratégique, et avec un autre élément qui est important à préciser, c'est que le directeur de l'Institut de géographie est communiste. Jean Brèche, un très grand professeur qui a fait une carrière exceptionnelle au Maroc, et qui va refuser pendant toute la durée des événements de fermer la fac. Donc, quand la fac, la Sorbonne, sera fermée à partir du 3 mai, ben, tous les gens vont se replier sur l'Institut Géo et on devient un véritable quartier général de l'agitation étudiante. Alors, il n'y a pas que des géographes, il y a tout le monde, ça se croise. C'est un peu comme l'Odéon, si vous voulez, mais côté étudiant, Odéon est un côté plutôt grand public. Voilà à quoi j'ai échappé.
la fac de Nanterre, qui est une construction très récente, donc ça a démarré à partir de 64. En 65, il y a quelques cubes qui sont sortis de terre. Mais vous voyez l'environnement, on est en bordure du bidonville de la Folie. Il n'y a pas de gare, la gare de la Folie Nanterre sera achevée pratiquement à la veille de 68. Et donc, pour arriver à la fac à Nanterre, il faut traverser le bidonville. Alors, ça va donner des choses tout à fait étonnantes. C'est que, confronté à la population du bidonville, il y a à peu près 10 000 personnes dans ce bidonville de la Folie Nanterre, des étudiants, notamment des étudiants gauchistes Mao, vont vouloir aller au peuple et sauver le peuple, et vont amener des enfants du bidonville dans le resto universitaire de Nanterre. Et les affrontements, les conflits commencent à Nanterre avec l'autorité administrative autour de cette question. On ne peut pas faire venir comme ça des gens qui vont manger clandestinement. Donc on rechasse, on pourchasse les clandestins, les enfants. Mais les gens du bidonville ont la trouille de voir débarquer ces Mao qui viennent semer un peu l'agitation. Alors ils sortent de la guerre d'Algérie, ils sortent de octobre à Paris, la nuit d'octobre 61, avec les massacres qu'il y a eu. Et ils ont la trouille. Et quand les mouvements vont éclater en 68 à Nanterre, il va y avoir un mouvement d'exode du bidonville qui va être fantastique. Et c'est là où ça va démarrer. Alors ça va démarrer à travers 1967, déjà un 22 mars, c'est ce qui donnera le nom du mouvement l'année d'après, autour d'un problème qui a été caricaturé et qui a été résumé en « les garçons veulent accéder au dortoir des filles, ils ne veulent pas rester tout seuls ». Bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Deux ans auparavant, dans la cité universitaire d'Antony, dès 1965, le pouvoir universitaire, le COPA, avait essayé de limiter les accès des garçons et des filles, de les rencontres des garçons et des filles, et au prétexte de sécuriser les bâtiments, avait fait construire des loges et surtout fait fermer tout un bâtiment qui servait en fait de couloir pour aller accéder au restaurant universitaire, à la cafétéria, à la bibliothèque, etc. Et avec des copains, il va y avoir une grande opération de démolition du mur de la honte, c'est-à-dire ce mur qui empêchait les garçons et les filles de se rencontrer. Bon, ça va se terminer par une petite victoire. À partir de 66, fin 66, début 67, la cité d'Antony acceptera de recevoir des jeunes ménages. Il y aura des logements qui leur seront directement affectés. Et donc, ça réglera en partie le problème des rencontres. Mais vous voyez qu'à Nanterre, deux ans plus tard, on retrouve exactement le même type de revendication. Et c'est à la suite de l'agitation qu'il y a, et notamment autour du bidonville, que finalement, en 68, le 22 mars 68, en mémoire des animations qui avaient eu, des protestations qui avaient eu le 22 mars autour de cette accessibilité du pavillon des filles, que, comme l'a dit, va monter le mouvement du 22 mars, un mouvement plutôt spontanéiste, etc., vont protester contre les conditions de travail. Le responsable de la fac de Nanterre en fait traduire en conseil de discipline 8 et qui vont être exclus de la fac, en particulier comme Bambi. Donc là-dedans, les mouvements de manifestation s'enclenchent à Nanterre, mais comme c'est un peu quelque chose où on n'est pas les cartes de tout, ça peut s'enquister, ça n'a pas d'intérêt, très rapidement, les étudiants de Nanterre déboulent à Paris, sur la Sorbonne, et commence à occuper la Sorbonne. Ça devient une foire absolument extraordinaire, avec y compris des mouvements. Il y a un groupe de gens qui se prétendaient avoir combattu au Katanga, qui se proposaient de combattre les CRS s'ils devaient arriver, et le 3 mars, c'est finalement le début de la panique au point de vue étudiant. Le doyen fait fermer la fac, la Sorbonne, et demande au CRS de venir
à l'intérieur de la fac pour chasser les étudiants qui sont là, qui font du squat. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très mal perçu, puisque au nom des franchises universitaires, théoriquement, la police n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur de l'université. C'est une franchise qui date de la période médiévale. Alors on n'est plus à la période médiévale, et effectivement, les flics vont rentrer à l'intérieur de la fac, virer tout le monde, et c'est là où notre directeur, refusant de fermer l'Institut Géo, une partie des responsables activistes viennent tenir leurs assises à l'Institut de Géo. Pendant toute cette période, il y a eu juste avant 68, cet article de Vincent Comté dans Le Monde, la France s'ennuie. Eh bien, ça c'est un avis que je partage absolument pas. La France ne s'ennuyait certainement pas depuis déjà des années, hein, et pas seulement au printemps 68. D'abord, le monde étudiant est en effervescence. D'abord, en réaction aux bouleversements géopolitiques du monde qui ont été attisés par la fin de la guerre d'Algérie, par la fragmentation politique du monde étudiant. L'UNEF vole en éclats à ce moment-là. Il y a plusieurs tendances. Au niveau de l'Union des étudiants communistes, il va y avoir des pro-italiens, il va y avoir des maoïstes, il va y avoir des trotskistes, un premier groupe de trotskistes, puis un deuxième groupe de trotskistes, etc. Donc on assiste à un pullulement de groupes gauchistes à l'intérieur du mouvement étudiant. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est marqué après la fin de la guerre d'Algérie par des luttes contre l'OAS, qui va être encore très violent, et les mouvements d'extrême droite, Occident, le GUD, etc., qui fait qu'on va avoir une tension et les affrontements dans le quartier latin sont assez courants. Je vais me prendre une chaîne de vélo sur le crâne, j'en garde une belle cicatrice à l'arrière, point de vue strict des études, où là, le gonflement des effectifs a été effrayant. On passe 155 000 en 55 et on est pratiquement 700 000 étudiants au début de 1967. Ce qui veut dire que les conditions de travail sont absolument dégradées. Le nombre de manifs qu'on va faire dans cette période, c'est essentiellement sur les thèmes des amphis, pas de canon, donc quelque chose, si vous voulez, où on souhaite et Nanterre. Et de ce point de vue, la première réponse, hein, c'est la première université qu'on construit dans la région parisienne, mais au milieu d'un bidonville, au milieu d'un terrain vague. Le résultat, c'est que les gens ne peuvent pas rentrer dans les amphis. Ce qui fait, entre guillemets, la fortune de l'UNEF. Parce que, du coup, on a organisé des tours de prise de notes par les étudiants qui ont pu rentrer. On rédige des polycopes et que l'on met en vente avec un petit association qui va nous permettre de financer les expériences pédagogiques auxquelles on commence à se livrer dès le début des années 60. Hein. Donc, pas imaginer un milieu étudiant complètement avachi, ingurgitant comme les oies des cours. En particulier, en géographie, on a estimé qu'il n'était pas possible de faire de la géographie sans fréquenter le terrain, sans enquête, sans visite. Et je me suis retrouvé donc élu à l'UNEF et responsable du secteur des excursions pédagogiques qu'on va mener et qu'on va mener en partenariat avec les assistants. Hein. Ça, c'est important, assistant et maître assistant. C'est-à-dire qu'on prend en charge toute la logistique, l'hébergement, la réservation du bus, etc. Et on commence à préparer un certain nombre de données en disant voilà, on veut voir ça, ça, ça. Et les assistants nous aident. Ensuite, c'est la remise en cause de la ségrégation sociale. À partir de 1963, la réforme Fouché vise à distinguer un cursus long d'un cursus court. Et ça va se concrétiser par la création des IUT en 1966, donc des études universitaires plafonnées, limitées à 2 ans. Et enfin, on a le renfort lycéen dans cette période. Parce que en 1957, la mixité est étendue au secteur secondaire. Elle a été rendue obligatoire seulement en 1975. Vous imaginez pourquoi, effectivement, les garçons étaient très émoustillés et avaient la possibilité d'aller dans le dortoir des filles avant 68. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'en 1959, donc la 5e République, De Gaulle est installé, on supprime l'obligation du concours d'entrée en 6e. Et ça ouvre les vannes. Les gens
du coup, vont rentrer dans un secteur en utilisant les cours complémentaires, en utilisant ce qu'on va former à la place, les collèges d'enseignement général, et surtout, c'est une scolarité obligatoire qui est portée jusqu'à 16 ans. La loi date de 1959, mais elle n'entre en application qu'étalée dans le temps. Ce sont les élèves de CP en 1959 qui auront l'obligation de faire une scolarité jusqu'à 16 ans. Faites un calcul, on est pratiquement à mai 68. Donc, l'agitation lycéenne, qui va devenir extrêmement importante à partir de 67, est liée à ce gonflement considérable des effectifs où les lycées, là encore, ne sont pas adaptés aux effectifs que l'on a. Les salariés sont en résistance. Alors, avec ici une date que je prends comme point de départ, mais qui est retenue par la plupart des auteurs qui ont travaillé sur les mouvements ouvriers dans ces années-là, la grande grève des mineurs de 63. Elle va durer 35 jours, elle se réalise avec une unité syndicale totale, et il va y avoir un mouvement de solidarité extraordinaire dans tout le pays. Les paysans vont fournir de l'alimentation, les salariés dans d'autres usines vont envoyer des fonds pour que les mineurs puissent tenir le coup avec leur caisse de grève. Il va y avoir, y compris, un mouvement important. Par exemple, 35 000 enfants de mineurs vont être, cette année-là, au cours des vacances de 63, vont être invités, à la fois dans des municipalités qui disposent de colonies de vacances municipales pour les intégrer, voire des particuliers qui vont accepter d'intégrer des enfants qui en prennent en charge le droit pour leur faire passer des vacances que les parents, évidemment, ne peuvent pas assumer. Ils ont perdu un peu plus d'un mois de salaire là-dessus. Et à partir de là, si vous voulez, on assiste de 64 à 68 à une multiplication des grèves sur tout le territoire et principalement sur la question du salaire, parce que le SMIG de 1959 va être sans changement pendant pratiquement 10 ans. Pas d'augmentation, il est à 220 francs par mois, et c'est un SMIG horaire. Ce qui veut dire qu'il dépend aussi du temps de travail. Le temps de travail à l'époque est de 45 heures hebdomadaires, et surtout, quelque chose qui commence à monter, contre la discipline du travail. C'est le grand moment où la France connaît le développement des usines taylorisées, avec des petits chefs, avec des contraintes très fortes sur la façon de travailler, et qui génèrent des affrontements permanents à l'intérieur des entreprises. C'est aussi accompagné par une modification du panorama syndical. En 1964, est créée la CFDT, Confédération française du travail, qui émane d'une scission de la Confédération française des travailleurs chrétiens. 70% des mandats sont pour la laïcisation, 30% restent dans l'ancienne CFTC. C'est à rapprocher, évidemment, cette affaire de l'ouverture du Concile de Vatican II, et qui est effectivement quelque chose, un cocotier qui est secoué dans l'Église et qui va se traduire dans le monde du travail. Au mois de mai 1967, on va avoir une manifestation unitaire, CGT-CFDT-FOFEN, contre les pleins pouvoirs qui ont été attribués au gouvernement Pompidou. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par le Parlement, on prend des décrets d'application, on émet des ordonnances, et évidemment, les ordonnances qu'il veut prendre, qu'il veut utiliser, c'est pour légiférer sur la sécurité sociale, sur les matières économiques, sur les salaires, le temps de travail, etc. Et effectivement, veut passer en force face à la montée des revendications qui se développent dans tous les pays, que le gouvernement veut imposer de façon autoritaire ses solutions. Et en particulier, en 1967, ce sont les ordonnances sur la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale a été créée en 1945, et c'est une structure unitaire. Là, dans ces ordonnances, on va séparer les branches les unes des autres. Vieillesse, famille, donc retraite, famille, accident, etc. Avec, et c'est là la magie, obligation pour chaque branche d'arriver à l'équilibre financier.
Jusque-là, quand tout était dans le même pot, on pouvait, si à un moment donné, il y avait un souci sur la branche retraite, utiliser des choses non récupérées sur la branche familiale pour l'affecter aux retraites, non reprise de la santé pour l'affecter aux familles, etc. Là, chaque branche va devoir se gérer elle-même. Et surtout, la vacherie, c'est que la sécurité sociale était considérée comme un salaire différé et donc qui était géré par les travailleurs eux-mêmes, qui en étaient les bénéficiaires. Et là, le gouvernement va dire non, c'est fini, c'est pas les ouvriers qui ont à gérer tout ça, on va faire un système paritaire, un délégué patronal pour un délégué ouvrier. Et on va donc, à partir de là, priver les syndicats de la gestion autonome de la sécurité sociale. C'est le début d'une amorce de l'étatisation de la sécurité sociale, d'abord par cette entrée du patronat. Quelque chose qui est la plupart du temps, en tout cas pas la plupart du temps, dans tout ce que j'ai entendu cette année, qui est complètement zappé. On fait démarrer les événements de 68 avec la Sorbonne le 3 mai. Or, le 1er mai, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Pour la première fois depuis 1949, il y a une manifestation syndicale à l'intérieur de Paris, organisée par la CGT, les autres ont la trouille, et soutenue par le Parti communiste, parce que jusqu'alors, les manifestations du 1er mai, elles se faisaient dans le bois de Vincennes, hein, dans la carrière de Vincennes. Donc là, pour la première fois, il y a effectivement cette manifestation qui se développe, et qui est imposante par rapport à ce que le gouvernement s'attendait, notamment parce qu'au cœur de cette manifestation, il y a la question des ordonnances sur la sécurité sociale. Et donc, voyez pourquoi, très facilement, ensuite, la liaison va pouvoir se faire entre étudiants et ouvriers, déjà à partir de ce 1er mai. En août 62, c'est l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Inquiet pour la survie du régime qu'il a mis en place avec la constitution de la Ve République, il va prendre la décision de faire élire le président de la République au suffrage universel. Il pose donc la question sous la forme d'un référendum, voulez-vous oui ou non que le président soit élu au suffrage universel? C'est un raz-de-marée, 62% de 77, vous êtes à 50%, c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui ne voulaient pas de ce régime présidentiel, qui se sont soit abstenus, soit qui ont voté contre. Mais ici, il y a quelque chose d'important, et pour la suite, Mitterrand a été un des rares hommes politiques, pourtant il avait le sacré casquette, il a été ministre de l'Intérieur en 54, il a mené la répression des insurrections au début de l'Algérie, de la Tunisie. Mitterrand a été un des rares hommes politiques à dire non au référendum, à le refuser. Du coup, son petit parti, la Convention des institutions républicaines, y prend une aura tout à fait particulière, et en septembre 65, il va créer la Fédération de la gauche démocrate et socialiste en récupérant Convention des institutions républicaines, Parti socialiste, et en septembre 65, devant cette création de la LGDS, le Parti communiste se rallie à l'idée d'une candidature unique de la gauche. Mitterrand, il n'y aura pas de candidat communiste face à François Mitterrand dans les élections qui s'annoncent, puisque décembre 65, De Gaulle arrive à la fin de son mandat de 7 ans qu'il avait obtenu dans la forme classique de la 4e République, c'est le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement assemblés, qu'il avait élu comme président de la République après son poste de ministre. Et donc, 65, là, c'est un choc. De Gaulle est mis en ballotage. De Gaulle est tellement persuadé sur son image qu'il va repasser les doigts en nez, il ne fait pas campagne. 15 jours avant, il se rend compte que les sondages le donnent en situation difficile. Il essaie de repartir, d'intervenir à la télé, c'est trop tard, et il se retrouve en ballotage. 84% des votants, là aussi vous faites le compte, ils récupèrent 37% à peu près des suffrages sur la France, c'est-à-dire pas plus d'un tiers hein, de Français qui continuent à lui faire confiance.
aux législatives de 1967, la figure de De Gaulle est fragilisée, même s'il devient au deuxième tour président de la République. La gauche parlementaire rafle la majorité des suffrages. Dans le Parlement, pourtant, elle est minoritaire en siège. Le découpage des circonscriptions, parce que ça a été la transformation importante introduite par De Gaulle, avant, sous la 4e République, il y a une représentation proportionnelle. À partir de 1958, c'est un vote par circonscription à deux tours uninominal. Le résultat, c'est que selon le découpage des circonscriptions, on fabrique avec une majorité de voix pour la gauche, une minorité en termes de sièges. Voyez comment l'instabilité, par rapport à toute l'effervescence qu'on a vue ailleurs, l'instabilité politique est aussi un élément important. Enfin, il faut faire la place aux muets du sérail. Les muets du sérail, c'est évidemment les paysans. Les paysans, dont l'organisme principal est la FNSEA, qui a repris en grande partie les structures héritées de Vichy et qui joue le jeu de la modernisation du gouvernement avec l'ouverture européenne. Et donc, on va mettre en place des SAFER, des sociétés d'aménagement foncier rural, donc qui rachètent les exploitations en vente, qui les remet et les confie à des exploitants qu'on estime capables de les gérer. Donc on veut essayer d'augmenter la taille moyenne des entreprises pour aller vers une mécanisation, vers une extensivité et surtout vers une productivité de l'agriculture. Et on met en place l'IVD, l'indemnité viagère de départ, pour dire au lieu, écoutez, vous ne pouvez plus gérer votre entreprise, il n'y a pas de retraite paysanne, et en quelque sorte, avec l'indemnité viagère de départ, vous dégagez, vous libérez vos terres, on vous file un petit bakchich, et puis on essaie d'aller vers la concentration. Mais, en 1959, une autre organisation va se fonder, le MODEF, qui est un mouvement d'organisation des exploitations familiales, et n'aura jamais un grand succès à l'échelle nationale, maximum 30% des suffrages. La FNSEA est vraiment le pivot de la vie agricole et rurale en France, mais dans certaines régions, comme l'Allier, comme la Creuse, etc., le MODEF aura une importance considérable dans son fonctionnement. Les vieux. Les vieux, ils sont dans une situation, si vous voulez, qui est intéressante, puisque l'espérance de vie a encore progressé de 60 à 70, à peu près un an et demi. Elle avait déjà progressé de plus de 6 ans, depuis 1950, donc c'est quelque chose de considérable. Mais l'âge de la retraite est toujours à 65 ans. Et le montant des pensions reste extrêmement bas. Le taux de remplacement du salaire est fixé à 40% des 10 dernières années. Les gens essayent de travailler le plus longtemps possible. Mon père travaillera jusqu'à 68 ans et avait commencé à 13 ans. La perspective pour ces gens-là, c'est l'hospice des vieux. Hein, c'est pas un EHPAD. Et il y a à Miramont de Guyenne, fondé par Soucial, un hospice des vieux qui porte son nom et où les gens finissent, les vieux ouvriers, quand ils ne sont pas repris dans la famille, parce qu'il y a aussi cette solidarité qui continue à fonctionner. Je vous ai dit, c'est des ouvriers paysans, bien souvent on revient au sein de la famille dans l'espace rural. Et enfin, les femmes. Les femmes, là aussi, c'est les grandes muettes du sérail. Le modèle conjugal et patriarcal reste dominant pendant toute cette période. Et pourtant, en 1960, on a mis en place des politiques de planning familial, qui est une première ouverture sur la maternité voulue et non plus forcément subie. En 1965, ça c'est la date la plus importante à mon avis, il y a une modification des régimes matrimoniaux, ça c'est important, et d'autre part, dans ces régimes matrimoniaux, il n'y a plus à obtenir l'autorisation du mari pour aller travailler. On peut prendre l'initiative d'aller travailler. D'un autre côté, les femmes ont le droit d'ouvrir un compte chèque qu'elles vont gérer sans observation du mari. Mais, sachez que jusqu'en 1975,
le mari aura le droit d'ouvrir le courrier destiné à sa femme. 1968, 45% des femmes de 25 à 54 ans sont actives. Et c'est en tenant compte de cette entrée dans le monde du travail importante, dans les années 30, il n'y en a que 30% à peu près, que finalement la loi Neuwirth, qui introduit le droit à la contraception, va effectivement modifier beaucoup de choses. Mais avec beaucoup d'hypocrisie. Alors c'est la loi sur la pilule, on dit tout de suite que les femmes vont se dévergonder, elles vont avoir des pilules, et donc le Parlement autorise les méthodes contraceptives, mais interdit de faire savoir que les moyens contraceptifs sont accessibles par les voies de la sécurité sociale, donc quelque chose où on nage en pleine hypocrisie. On a le droit de le faire, mais on ne vous le fait pas savoir. Donc le problème des avortements continuera à se poser. Voilà, si vous voulez, pour cette situation d'effervescence dans tout le pays. Alors maintenant, je voudrais en venir plus particulièrement à Paris et à Mirabeau, à ce qui est ce grand écart que je fais. Alors, au départ, la première paraît de ce qui paraissait, la fermeture de la Sorbonne, le 3 mai, et l'évacuation policière de la Sorbonne. À partir de là, s'enclenche un processus. Le lendemain, libérer nos camarades, manifestation dans le quartier latin pour les gens qui ont été arrêtés. La police réprime, en arrête d'autres. Le surlendemain, nouvelle manifestation, libérer nos camarades. Et ça gonfle jusqu'au 10 mai, où là, il y a plus de 35 000 étudiants mobilisés au sein du quartier latin. Alors, c'est quelque chose d'absolument énorme. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la manifestation, alors que le syndicat UNEF a proposé de disloquer la manifestation, arrivée sur le boulevard Saint-Michel, à peu près 5 à 7 000 étudiants décident de rester sur place et on commence à monter des barricades. D'accord ? Tout le quartier latin, c'est la carte que vous voyez en dessous, avec les petits traits noirs et marrons, c'est toutes les barricades qui jalonnent les rues du quartier latin et qui vont être coupées. Alors avec un élément qui renforce ça, il y a ce soir-là, à la Mutualité, un concert de Léo Ferré, dont les attaches anarchistes ne sont ignorées de personne. Et donc les anards qui étaient allés écouter Léo Ferré, en sortant, viennent tout de suite donner un coup de main sur la construction des barricades. On n'est pas... Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a eu des provocations, est-ce qu'il y a eu des manipulations? C'est plus que probable, il ne faut pas rêver. Avec Annie, quand on remonte le boulevard Saint-Michel, on était allé manger chez des copains sur le boulevard Saint-Germain, on se rend compte qu'il y a des gens avec des tronçonneuses en train de tailler les arbres sur le boulevard Saint-Michel. C'est pas a priori l'outil de l'étudiant que la tronçonneuse. Donc, voilà. Mais ceci dit, la colère est réelle, et surtout il semble bien que le gouvernement est dans sa ligne de mire de vouloir en finir définitivement. Il a massé des troupes sur la place Roubert qui vont venir prendre à revers les étudiants et coincés dans la rue Élussac, ils vont foutre le feu aux barricades, aux bagnoles qu'ils vont trouver. La conséquence, c'est que très vite, le 11, le lendemain, dans la journée, la CGT demande une rencontre intersyndicale aux autres fédérations, à la Bourse du Travail. FO ne vient pas. Mais la discussion va durer pendant près de 12 heures. Parce qu'évidemment, les gauchistes qui sont là dénoncent la CGT comme des suppôts du Parti communiste et des gens qui vont empêcher la révolution. Les communistes dénoncent leur aventurisme. Bref, on est pour arriver à mettre tout le monde d'accord, on va terminer sur l'idée qu'on fera une manifestation unitaire. Mais avec une banderole sans signature et avec un seul slogan, travailleurs, étudiants, enseignants, solidaires. C'est tout. Hein, voilà. Il n'y a que ça sur la tête de la manifestation. C'est une manifestation énorme. Hein, j'en ai vu déjà des peuplés depuis que je suis à Paris. Mais là, 1 million de personnes, on est encore quelque part, on n'a pas franchi la Seine. On y est déjà depuis le matin. On n'a pas franchi la Seine. La tête est en train de se disloquer quelque part à l'enfer aux chevaux. Hein, et on se demande si on va pouvoir traverser la Seine. On traversera la Seine
Mais finalement, sur le coup de 4 heures, on est dit, bon, ben, on est arrivé à la gare du Luxembourg, un petit peu plus entre le Luxembourg et l'Observatoire. Là, on est dit, non, mais c'est pas la peine de continuer, parce que tout se disloque en haut, au bar, reprenez vos billes, rentrez chez vous, c'est fini, la manifestation est terminée. Il est à peu près 7h30, 8h du soir, effectivement, on ne voit pas comment on continuerait, on n'arrivera pas. Et dans cette manifestation, j'ai pris cette petite photo qui me paraît intéressante de ces petites filles, de ces petites jeunes femmes, qui sont en train de manifester. Parce qu'on y voit aussi quelque chose qui est en train de bouleverser les codes, des femmes avec un pantalon, des femmes avec des mini-jupes. Alors qu'encore au début des années 70, dans l'enseignement, vous avez des proviseurs qui interviennent pour dire « Non mais attendez, venez avec une tenue présentable, qu'est-ce que c'est un pantalon ?» Bon, ça voit très bien, mais une femme, ça doit porter une robe, une jupe, et puis pas une mini-jupe. Hein. Sur la pancarte qu'elle promène, c'est nos 600 francs. Nos 600 francs, c'est par rapport au SMIC, 220 francs, je vous le rappelle. J'ai mis un jour de mai à l'Institut, parce que je n'ai pas la date de la photo. L'Institut de géographie, vous reconnaissez l'immeuble qui est sur la bordure à gauche, là, avec le porche, les fenêtres de ce que vous avez vu en couleur tout à l'heure. Au bout, c'est la rue Gay-Lussac, là où les gens sont en train de courir. Vous voyez qu'il y a des pavés, ça fume, des grenades. Ça a été notre lot quotidien pendant le mois de mai, avec ces grenades, ces attaques, ces avancées, se replier à l'intérieur de l'Institut, empêcher l'extrême droite, on subira deux attaques de la droite qui veulent essayer de venir combattre ce quartier général de la Révolution. Ben, voilà, c'est ça, si vous voulez, le milieu parisien dans cette période. Voilà l'Institut de géographie, le grand amphithéâtre. Alors vous voyez que le grand amphithéâtre, c'est quelque chose où on est assez comme des harengs, et où au début des années 60, pour arriver à faire entrer beaucoup de monde, on a monté ces galeries en surplomb. Ben, donc on a pu porter l'effectif à 230, 240 en se passant bien sur ces petits balcons qui ont été mis en place. Et là, on est en train de discuter, parce qu'en même temps qu'il y a ces manifestations, il y a aussi, pour une bonne partie des étudiants, la volonté de réformer le système des études. Je vous ai dit que j'étais délégué aux excursions, aux sorties de terrain, et on débat dans des commissions qui sont des commissions mixtes en géographie, il y en aura trois. Une commission des profs mandarins titulaires de chaire qui veulent que rien ne change, qui trouvent que c'est très bien. Une commission que je préside avec un assistant dans lequel on cherche à garder l'unité de la géographie, notamment de garder la géographie physique et de pratiquer ce qu'on a commencé à mettre en place avec les autres étudiants et puis un certain nombre d'assistants, un travail sur le terrain, des enquêtes, etc. Et le troisième groupe qui, lui, c'est une commission là aussi mixte, étudiants et enseignants, mais qui eux veulent se débarrasser de la géographie physique, qui considèrent que la géographie est une science humaine et qui veulent fusionner, se rapprocher avec la sociologie et donc larguer la géographie physique. Donc on va discuter sévèrement dans ces AG, on vote ça, et finalement ça va se terminer. Le premier qui dit dans une assemblée générale, bon, nous avons obtenu un peu de satisfaction, où il est temps d'arrêter, etc., c'est le prêtre, il se fait assaisonner, et à partir de là, non, non, on continue, on persévère, etc. Et effectivement, la solution qu'on va avoir trouvée, c'est non pas de dire on a fini avec les AG, c'est de dire avec les trois profs et des assistants qui nous suivaient dans la commission où j'étais, le mot d'ordre, c'est aussi, après les élections, il faut faire des universités d'été, aller au peuple, en quelque sorte. Hein. Ben, on dit, ben voilà, nous, on va faire une université d'été, on va partir, on abandonne l'amphithéâtre, on vous le laisse, on part faire une université d'été, voilà, parti, abandonnant l'Institut Géo à ceux qui voulaient éventuellement continuer, des AG qui deviennent de plus en plus croupiants. Alors, quel est l'écho à Miramont? Alors, voilà Miramont-Goyenne, à quoi ça ressemble?
C'est une bastide tout à fait classique, très belle, avec ses cornières autour de la place de la mairie, l'église est un peu sur les côtés, et la ville s'est développée. Vous voyez que de l'autre côté de la photo, vers le haut de la photo, et qui est vers le nord, on est en rase campagne, et la croissance urbaine s'est faite soit vers l'ouest, soit vers l'est, donc à partir de cette bastide dont le cœur reste relativement intact. Et cette ville de Miramont est une ville ouvrière tout à fait étonnante. Dans la mesure où, pour sa population, 1954, elle compte 2400 habitants, en 1968, 15 ans plus tard, elle en compte 3800. Donc une croissance urbaine extrêmement rapide et qui est liée à sa population ouvrière. Il y a plus de 2100 salariés. Faites le compte, 2100 salariés, évidemment, ils sortent pas de la ville, ils viennent de l'extérieur aussi, mais c'est une concentration ouvrière tout à fait importante, avec 11 entreprises de plus de 10 salariés, dont 3 grosses, l'usine Imbert, qui est spécialisée en la chaussure avec 750 salariés pratiquement, l'usine Carretier Robin, où travaille mon père, où j'ai travaillé, 350 salariés, qui est spécialisée dans les fermetures des bâtiments, et l'usine Moustique, qui en a 260. Puis ensuite, toute une série d'entreprises qui ont autour de la cinquantaine, etc., de salariés. C'est essentiellement dans la chaussure, en dehors de Cartier-Robin, toutes les autres entreprises sont développées dans le domaine de la chaussure. C'est une histoire qui est liée à la lutte des républicains de 1848, un malheureux républicain de la région, de Miramont-Guyenne, social, va être arrêté, déporté après les journées de juin, déporté en Afrique du Nord. Il découvre en Afrique du Nord les chaussons de basane, de cette espèce de peau de mouton bien lisse. Et quand il rentre en France, amnistie est en fait au bout de 6-7 ans, il monte à Miramont-Guyenne une usine pour fabriquer, enfin un atelier on va dire, hein, pour fabriquer des chaussons de basane très utiles, parce qu'à l'époque on est encore en sabots. Et donc on a les pieds propres, on peut quitter les sabots dehors, rentrer dans la maison. Et il va y avoir une forme de bourgeonnement qui va se développer très lentement, jusque dans les années 30, avec, dès qu'un contremaître a compris un peu le mécanisme de fonctionnement, comment contrôler les approvisionnements, quelle machine acheter, il monte son atelier à côté, et dans les années 30, c'est facile à mémoriser, il y a à peu près 300 salariés dans la chaussure. Le démarrage se fait au lendemain de la guerre, où là, il va y avoir une montée en puissance, et on passe du chausson de basane à la chaussure en cuir, les espadrilles, des choses comme ça, et la ville devient un foyer d'approvisionnement considérable. Au point que, pour assurer l'emploi, il faut faire un recrutement tout autour de Miramont-Guyenne, dans un rayon courant de 25 km autour de Miramont. Et c'est à cette occasion que le patron, Imbert, va racheter à la RATP des vieux bus urbains avec la plateforme, la petite sonnette à l'arrière, et on va voir ces bus circuler dans Miramont. Il y en aura 3 qui partent à la pêche aux salariés. Mais c'est aussi l'époque de la mobilette. Et il y a des gens qui font 40 km avec la mobilette pour venir travailler à Miramont-Guyenne. Bien souvent, ces ouvriers sont aussi ouvriers paysans. Ils ont la femme qui reste sur l'exploitation, soit c'est la femme qui vient travailler et il reste sur l'exploitation. Et avec des petites exploitations, mais très rentables, parce qu'à l'époque, il existe un droit de plantation de tabac. C'est un revenu régulier, c'est un revenu très surveillé par l'État, mais en même temps, ça assure d'une année sur l'autre une régularité de financement qu'on ne peut pas avoir avec la petite polyculture qui se développe à base de maïs et levage de volaille. Fin 1967, on a une syndicalisation totalement anecdotique. Il n'y a qu'une union locale CGT et elle compte quelques salariés, moins d'une douzaine. Au premier trimestre 68, à Miramont, comme dans tout le reste de la France, il y a une multiplication des conflits, très remontée à partir des ordonnances sur la sécurité sociale, et surtout, qui sont répétées autour des cadences et du niveau des salaires. Fin avril, mi-mai, c'est les enseignants
qui ouvre le bal des grèves en soutien au mouvement étudiant du début du mois de mai. Du coup, le 13, après la grande manifestation parisienne, les responsables CGT de ces groupes très, très réduits décident avec les enseignants de faire un tract qu'ils vont distribuer, et ils vont distribuer évidemment devant l'usine de quartier Robin, 350 ouvriers, c'est la plus grosse, Imbert et sur les hauteurs à 2 km à l'écart du centre-ville. Et là, les ouvriers, quand ils prennent les tracts, rentrent dans l'usine, les montrent aux copains, et finalement le gag, c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tous les ouvriers, pour le camp, ils sortent, et ils remontent vers le centre de la Bastide, en criant des slogans, solidarité à les étudiants, nos salaires, abat les ordonnances, etc. Et finalement, cette manifestation qui s'annonce, va aller distribuer des tracts dans les autres usines, où ils sont accueillis à bras ouverts, sauf chez Imbert, où là, on a un patron de choc qui va décider de protéger ses ouvriers de la diffusion révolutionnaire. Il les fout à la porte, il fait le lockout, il met avec les ouvriers d'Andrévistes des piquets de sécurité devant l'usine et dans l'usine. Et le résultat, c'est que quand même, à la fin de la journée du 15, ben, dans Miramont, il y a plus de 1000 salariés qui se retrouvent sur la place de la mairie pour revendiquer pour leur salaire, pour revendiquer contre les cadences, etc. Et c'est au point que le maire, d'hiver gauche, il n'est pas très mouillé, décide de confier la mairie aux ouvriers en grève pour qu'ils puissent s'organiser. Il leur laisse la mairie, voilà, démarrage en traînée de cours en deux jours, du 13 au 15, tout Miramont est complètement paralysé par la grève ou par le lockout pratiqué par... Alors la grève va se traduire par un flot de syndicalisation. Dès le deuxième jour, à partir du 15, 250 adhésions à la CGT, création de sections syndicales dans la plupart des usines, seul Imbert reste inaccessible. La grève s'accompagne d'occupation des usines, et elle est assurée de jour et de nuit à plus de 70% par les ouvrières. Je vous ai dit que c'était essentiellement une ville de la chaussure. Hein, sur les 2100 salariés, il y en a plus de 1700 qui sont dans l'industrie du cuir, du textile et majoritairement des femmes. Elles occupent l'usine et la nuit se passe dans une ambiance très festive. On retrouve les vieux récits que font les anciens syndiqués de la fête qu'avait été 1936 à l'intérieur des usines. La solidarité paysanne joue à fond dans le département, puisque je vous ai dit que c'était des ouvriers paysans. Donc effectivement, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont un salarié, ils apportent effectivement des véhiculages, mais ceux qui n'en ont pas apportent aussi des véhiculages. Il y a ce mouvement de solidarité qui est extrêmement important. Il faut bien penser que cette région du Lot-et-Garonne a été un foyer de développement du communisme rural dès les années 20 avec un grand agitateur Renaud Jean qui a été député et qui à partir de 1945 a laissé la place et c'est un communiste Hubert Ruff qui est aussi donc un enracinement communiste dans le monde paysan qui fait que cette solidarité joue à plein régime. Enfin, dans la majorité des entreprises, la grève va durer au moins jusqu'au 27, jusqu'à Grenelle, mais chez Cartier-Robin, elle va durer encore jusqu'au début de juin, et pour tout le reste de la France, vous le savez, les dernières grèves s'arrêteront avec Citroën le 21 juin, donc très tardivement, encore un mois, ce qui veut dire que le mai étudiant a amorcé un mouvement, mais qui dépasse très largement le seul milieu universitaire et le seul milieu étudiant. La réaction, évidemment, est très violente. Et finalement, à partir de la fin du mois de mai, avant même le discours du général de Gaulle, des milices de la droite locale s'organisent pour reprendre en main, surtout à partir du discours de Gaulle. C'est une terre de rugby, mais une terre de rugby clivée. Les ouvriers jouent au jeu à 13. Et le grand derby de jeu à 13, sont principalement des salariés chez Cartier-Robin, mais il y en a chez Hostie, il y a deux équipes de jeu à 13, c'est le derby Tonnens et Miramont-Guyenne, la Seita contre Miramont.
Mais nous qui sommes dans la carte de la dignité, on est étudiant, on n'est pas. On joue à 15. On ne joue pas au jeu à 13. Parce qu'à 13, c'est des professionnels, ils touchent des primes dans leur usine. Tandis que le jeu à 15, ça, c'est quelque chose d'important. Et nous, le derby, c'est avec Eymet, la ville. On va presque dire jumelle, elle est à 10 km, mais en Dordogne. Les principales milices vont se recruter chez les rugbyman, hein, qui savent faire le coup de poing dans le jeu à 13, c'est quelque chose de plus rude et violent. Et un commando de nombrévistes va passer à l'attaque sur la mairie et va piller et détruire toutes les provisions qui étaient stockées pour les grévistes. Le maire, qui sent que le vent tourne, au prétexte de sauver sa mairie des dégradations, etc., reprend la mairie et vire les grévistes, la violence des affrontements qu'il y a pu y avoir dans ce qui était une petite ville où, avant 67, on avait l'impression que tout le monde vivait en bonne entente. Les affrontements vont être aussi extrêmement violents avec le piquet de grève qui s'est maintenu chez Cartier-Robert, puisqu'ils occupent l'usine et ils ne veulent pas céder après le discours de De Gaulle. Ils ne céderont finalement et n'abandonneront l'occupation de l'usine que le 5 juin. À partir de là, ben, c'est un peu la fin. À partir du 4 juin, la reprise se fait à peu près partout dans les usines de Miramont, mais avec le sentiment d'une dignité gagnée. Désormais, les sections syndicales sont de droit dans les entreprises. La CGT en profite, elle s'installe dans la plupart de ces entreprises. Et Humbert est bien enquiquiné. Il ne peut pas aller contre la loi. Il est obligé d'accepter cette section locale d'entreprise. Mais il va essayer de montrer, évidemment, un syndicat maison pour limiter l'impact de la CGT. Et surtout, et alors ça c'est qu'on n'en voit pas, les salaires font un bond formidable. C'est la fin des abattements de zones. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais jusqu'en 1968, selon dans l'endroit où vous êtes en France, le SMIC est défini en région parisienne, et il y a 4 zones d'abattement de zones. Quand vous êtes dans une zone de plus en plus éloignée de Paris, le SMIC est rabattu, et dans la dernière zone, le SMIC est dégraissé de 40%. On touche 60% du SMIC. Et servi, on retrouve le modèle de la mondialisation, qui avait servi aux délocalisations industrielles. Les usines qui étaient dans la région parisienne, elles ont intérêt à aller chercher du Breton, c'est Citroën à Rennes-la-Jeannée, Simca à La Rochelle, Ford à Bordeaux. Donc la délocalisation n'est pas quelque chose qui est lié seulement à la mondialisation. À la mondialisation, c'est la délocalisation en dehors des limites du pays, mais déjà avec cette structure d'inégalité des salaires par les abattements de zones, il y a des transformations de l'appareil industriel, des relocalisations. Le SMIC est porté à 600 francs pour tout le monde. Alors évidemment, ça reste très faible. Il y a dans des usines, chez Renault, on était pratiquement à 900, 800, 900, quelquefois 1000 francs. Ils estiment qu'ils n'ont rien gagné du tout, et vous comprenez pourquoi les mouvements de grève vont durer encore pendant un mois et demi. Pour nous, à Miramont-Guyenne, c'est un bond formidable. Alors que le salaire moyen tournait autour de 350 euros, vous avez presque un doublement. Et chez Cubrac, alors une petite entreprise, c'est un abattoir de volailles qui avait 15 salariés, là, ils vont gagner 120%. Et ça, les étudiants à Paris l'ont jamais compris. J'ai vu des affrontements dans des amphis où, à travers une caricature de l'enragé, on y voyait Pompidou distribuant des miettes avec des cadors qui se battaient, CGT, CFDT, etc., pour récupérer ces miettes. Et le jour où il y a un gars qui est venu leur dire « Écoutez, moi, avec 600 francs, ça me fait 150 francs de plus par mois, vous ne venez pas me raconter vos conneries étudiants. Hein. » Donc là, il y a vraiment un hiatus, une incompréhension totale qui s'est creusée dans cette période entre la province et Paris. Alors, dans l'héritage, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, un premier point, accord de Grenelle, oui ou non? Si vous tapez Grenelle sur Wikipédia, sur Google, sur le... on vous envoie sur accord de Grenelle. Il n'y a jamais eu d'accord de Grenelle. Pour la CGT, elle a approuvé la position de la délégation
délégation de la CGT qui était devant MeToo et qui a refusé de signer ce texte. Donc c'est clair, le texte n'a pas été signé. Georges Séguy, le dimanche 26 au soir, reprécise, nous ne ferons pas aux grévistes de ces résultats, c'est-à-dire ce qui a été négocié, ce sont eux qui décideront. Porter l'humanité du 28, avec un beau titre, ça ne fait pas le compte, donc il n'est pas question de signer un accord, et de l'autre côté, le protocole de Grenelle a été repoussé par les grévistes, donc les organisations de base. Les grèves vont se poursuivre jusqu'à ce que les gens obtiennent satisfaction au niveau local. Un clap de fin. Bon, De Gaulle a dit, après avoir disparu quelque part en Allemagne, je ne dissoudrai pas l'Assemblée, je ne me retire pas, on va faire de nouvelles élections. Est-ce que c'est un clap de fin? Alors, aussitôt, dans les milieux étudiants, c'est élection piège à Caen, et ils votaient, mais vous, le VEAU, là-dedans. Donc, un bilan global, c'est un raz-de-marée de la trouille, hein, c'est comme ça qu'on peut le prendre. Les trois quarts des députés à l'Assemblée vont être gaullistes. Mais regardez bien, avec les voix que je vous ai mis au premier tour, puisqu'après, comme c'est uninominal à deux tours, il va y avoir des désistements. Donc, ce qui est regardez ceux qui sont passés en siège, vous avez 294 sièges pour les 1 million de l'UDR, et si vous regardez pour le Parti communiste, avec la moitié des suffrages, 4,4 millions au lieu de 2,4 millions, il a 34 voix. Donc, quelque chose qui est ici le miracle du vote par circonscription. Donc, on a une représentation nationale complètement faussée. Si on y arrive sur les îles jaunes, on est dans la même situation de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que représentent les gens qui ont été élus au moment des élections présidentielles, puis législatives, où est leur légitimité? Leur légitimité, la légalité est respectée, ils ont été élus. Leur légitimité, quand on regarde les proportions, c'est pas étonnant de voir qu'aujourd'hui, des gens considèrent qu'ils sont plus représentés, que la démocratie ne fonctionne pas, qu'il faudrait trouver autre chose. Et ceci dit, le bilan, il faut quand même le faire. Alors, j'ai retenu que les événements qui me paraissent notables dans la foulée de 68 et uniquement sur les années 70, avant les années Mitterrand. Dans le domaine social, 69, la quatrième semaine de congés payés, 70, le remplacement du SMIC par le SMIC, c'est quoi cette lettre? SMIC, c'était garanti, c'était un revenu bas, mais qui ne bougeait pas. Le SMIC va être indexé sur le niveau de l'inflation. S'il y a inflation, le salaire va pouvoir suivre, va monter rapidement, et donc c'est une garantie. 72, un dispositif de pré-retraite, de façon à ne pas obliger les gens à rester jusqu'à 65 ans au travail, alors qu'ils n'en peuvent plus, ils ne tiennent plus. Donc, on adopte une procédure qui fait qu'ils vont, pendant la pré-retraite, conserver une partie du niveau de salaire avant de déboucher sur leur retraite qui sera payée. 1975, l'autorisation administrative de licenciement. Alors ça, c'est important, parce qu'il va y avoir une arnaque qui va se développer en 73. Le chômage à cette époque, ça peut faire rêver, il y en a quand même 500 000 chômeurs en France à ce moment-là, est indemnisé à 90% du dernier salaire. Il y a donc des petits rusés qui montent d'une entreprise bidon, qui donnent un gros salaire à un monsieur, une dame, qui le licencie, et paf, pendant un an, il touche 90% de son salaire. Je vous le donne en mille, l'affaire s'est révélée à travers le début du tournage des films porno. C'est des sociétés de films porno qui ont les premières exploité ce type de filon. Ce qui fait qu'en 75, on ne peut plus licencier comme ça, il faudra l'autorisation administrative de licenciement. Et enfin, surtout, alors 78, ça c'est essentiel, c'est la mensualisation. Parce que, jusqu'à cette date, on est payé, en tout cas jusqu'en 65, on est payé chaque fin de semaine, en liquide, on va chercher son enveloppe. Donc la mensualisation devient quelque chose qui va permettre aux salariés de pouvoir s'engager dans des politiques de crédit
avec une garantie de pouvoir le financer pour les banquiers. C'est intéressant. Quelqu'un qui est mensualisé, alors que quelqu'un qui ne sait pas d'une semaine sur l'autre ce qu'il va gagner, on ne lui prête pas la mensualisation. C'est quelque chose qui va ouvrir les vannes du crédit à des populations qui en étaient jusque-là tenues à l'écart. Et puis des avancées sociétales extrêmement importantes. En 1970, l'autorité paternelle est remplacée au sein du couple par l'autorité parentale. C'est-à-dire que le père et la mère ont la gestion commune des enfants, du sort des enfants. Le congé de maternité est augmenté de 4 semaines et il est indemnisé à 90% du salaire brut. Ce qui va permettre effectivement d'envisager des grossesses sans avoir cette crainte du handicap que ça va avoir sur les salaires, sur les revenus du ménage. Et enfin, 74, la majorité est portée à 18 ans. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que à l'époque où moi j'étais étudiant, la majorité, c'était à 21 ans. Et il y avait des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'avait pas l'autorisation des parents. À 21 ans, ouvrir un compte bancaire, il vous fallait l'autorisation de vos parents. Et puis surtout, les trois réformes de 1975 qui m'ont paru mériter d'être retenues, la loi de Simone Veil légalisant l'interruption volontaire de grossesse, et vous savez qu'elle a été votée contre la population de droite des députés par la majorité de gauche plus des défections à droite, la loi Ami qui a créé le collège unique avec obligation de mixité, et moi ce que j'ai apprécié dans cette loi Ami, c'était le plafonnement à 24 élèves des classes. Et enfin, l'instauration du divorce par consentement mutuel. Le divorce n'est plus un régime de sanction, mais quelque chose qui est une négociation. Donc voilà ce qui a été quand même acquis. Donc à partir de là, la question c'est, est-ce qu'on doit accepter les récriminations des gauchistes, des enragés? Je vous ai dit, j'étais engagé, mais pas enragé dans mon petit truc d'invitation. Je pense que ça a été un tel bouleversement que le positif de 68 est à garder, à regarder, c'est considérable. Mais qu'à aucun moment, en tout cas moi dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression que la CGT, Mitterrand, la CFDT avaient empêché une révolution qui nous aura amené sur des chemins radieux. C'est fini.